Ivoirien, Ivoirienne, si vous attendez ce cri, venez à notre secours. Ce que mon grand-père a accepté avant-hier, je ne suis pas obligé de l'accepter aujourd'hui. La Côte d'Ivoire vous parle. Hey, moi je me remets à toi. Trois ans que nous sommes en exil, il y a plus d'un an qu'ils nous ont coupé les vivres. Pendant trois ans que nous sommes là, nous n'avons même pas de l'eau à boire et nous sommes réfugiés, nous sommes obligés de quémander pour manger, quémander pour avoir de l'eau à boire. Vraiment, nous avons fait une lutte ici, moi-même je fais partie de celles qui sont allées en prison. Et jusqu'à présent, nous sommes sortis après deux mois, dix jours, il n'y a aucune nouvelle qui est arrivée. Nous sommes encore dans la souffrance. Donc, quand vous êtes nos parents qui sont à l'étranger, on n'a pas dit que ça va chez vous, mais aidez-nous. Aidez-nous parce que nous sommes ici pour une bonne cause. Nous sommes ici à cause de Laurent Gbagbo. Nous sommes ici à cause de la Côte d'Ivoire. Et tant que Laurent Gbagbo est en prison, nous serons ici. Et parce qu'on est ici, on veut qu'on retourne en force en Côte d'Ivoire. On nous coupe tout ce qui est assistance. On souffre, on est dans la misère avec nos enfants. Aidez-nous, s'il vous plaît. C'est tout ce qu'on vous demande. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui là, 11 avril là, ça me fait rappeler beaucoup de trucs. La vie a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Quelle que soit la durée des temps, tu vas faire la haie là. Nous les Ivoiriens de Côte d'Ivoire là, on t'aime toujours, on sera toujours avec toi. Mon sang là, demain, Babo, je vais mourir patriote. Amen. Même si FSI même en tête même pour toi ici, moi Daniel, je vais mourir patriote. Je t'aime. En tout cas, on prie matin, midi, soir pour toi, à la haie. Que Dieu te protège. Blaise Boudet qui est arrivé là, il est allé en mission. Nous-mêmes là, son retour là, c'est fin 2014 là. Toi, oh, Blaise Boudet, oh, on vous attend en Côte d'Ivoire. Amen. Côte d'Ivoire de lendemain là, la nouvelle Jérusalem là, ça t'attend, mon papa. Amen. En tout cas, que Dieu te protège là-bas. Amen. Tous les Benguis là, gros bisous. Tournez vos regards sur nous ici, oh. Aidez-nous. Oui. Aidez-nous ici. Parler, ma fille. Tournez vos regards sur nous ici. Nous sommes en face de la mer Rouge, oh. Genève, Dakar là, s'en fout de nous. Mais nous là, on vit pour Dieu, on vit pour Babo, on meurt pour Babo. Le Amen. Jour va dire, c'est comme ça pour Babo là. Nous là, on va en Côte d'Ivoire. Amen. C'est tout, on vous aime. Babo ou rien. On vous aime. Babo ou rien. Je ne peux pas faire ça. Jésus est béni. Amen. Amen. 2014. Maman. Après trois ans, jour Maman. Pour jour, nous attrapons notre président Laurent Gbagbo. Que vous voyez sur mon t-shirt. Nous sommes réfugiés au Togo. On va rester réfugiés au Togo tant que Gbagbo sera à la haie. On libère Gbagbo, on retourne à Côte d'Ivoire. Soit il n'y a rien. En face. Il n'y a rien en face. C'est maïs. Ça fait trois ans, c'est maïs. Il n'est pas au pouvoir, mais c'est maïs. Malgré il a la haie, c'est maïs. On le tient dans notre cœur. On s'entend avec lui. On a rien en face. Rien en face. Le
on est avec lui, on le soutient. À cause de lui, aujourd'hui, on est réfugié. À cause de la Côte d'Ivoire, on est réfugié. On ne sait même pas comment on est arrivé au Togo. Mais aujourd'hui, on est fiers. Parce que tout ça, pour Laurent Gbagbo, on est fiers. Mais aujourd'hui, je suis mère de 4 enfants. Je ne sais pas où mon mari se retrouve. Aujourd'hui, je suis mère célibataire. Je me retrouve avec les enfants. Je dois faire ça au Togo avant que mes enfants ne mangent. Ça ne sort même pas. Parce que tout le monde est réfugié. On n'a pas de ouest. On n'a rien. Donc les jeunes n'ont pas d'argent. Ils mangent. Pas d'argent. Vraiment, on ne se retrouve pas. Et pitié de nous. On n'a pas d'argent. Je m'appelle Ogenimo Chantal. Et ils mangent en crédit, les jeunes n'ont plus d'argent, les parents n'ont plus l'argent, c'est les enfants qui existent ici, on n'a rien, on souffre, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à manger, ça c'est la sauce graine. Je suis peut-être de Dalwa, Ogen Marie Geneviève, Ogen Nimo Chantal, on est jumelles, ça c'est Rite. Ça c'est Yolande, ça c'est Davila, on est au Togo comme ça, mais on vit. On vit comme ça, on vit comme ça. Faut te débrouiller pour manger. Ça fait 3 ans, ça fait 1 an, on nous a coupé tous les vivres, enfants. Mais tout le monde n'a pas l'argent ici. C'est le crédit qui marche ici. Aie pitié pour nous. On n'a rien. On fait ça à cause de Dieu. Fait ça à cause de Dieu. Que Dieu vous soutienne. Dans le nom de Jésus. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous protège. Amen. Ensemble. Je vais parler d'abord. Gbagbo Laurent, pensez à nous. Si tu quittes le jour que tu sors la prison, nous les tirer de Gbagbo. Moi, je suis 17 km de Gbagbo. Mon village, c'est Tobi Gbagbo. Pensez à moi. C'est à cause de toi, Gbagbo. Je suis tombé. Voilà mon pied. Voilà mon pied. Voilà mon pied. Voilà mon pied. Il n'y a personne qui va me soigner. Ah, si elle dit, ne veut pas nous soigner. On souffre. Gbagbo, je vais sentir ton nom au moins. Je vais me respirer un peu. Gbagbo, assez haut, Gbagbo.
partis politiques. Qui a gagné?